The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Donc l'audience a repris. According to our schedule, d'après notre it is now opportunity for the legal lawyers to put documents before the chamber if they would wish to do so. We therefore now hand over to the legal lawyers to do so. And the documents must be relevant to the historical background context historique pour situer l'affaire. Oui, Monsieur le Président. Yes, Mr. President. Bonjour, bonjour, Madame good et Monsieur morning, les juges. Good morning, bonjour, Your Honours. Frères et bonjour à tous. Good morning, colleagues. Good morning to all of you. En tout premier lieu, first et avant all, de donner la parole à nos confrères Olivier Bahun et Sam Sokong sur les documents, Sam Sokong and to Olivier dans la mesure regarding où il y a, the documents, une discussion I would like sur les constitutions de partie civile, refer to je demande an à la issue Chambre regarding la possibilité the de civil pouvoir faire applications. Quelques observations so I would like to ask pendant the chamber quelques minutes sur the ces opportunity constitutions to make de partie civile parce que c'est un problème the civil party applications because it's et an extremely qui a important issue des conséquences extrêmement importantes. Has je parle very pas seulement significant des consequences avocats, je parle for us, and not only speaking puis about the lawyers, I'm also speaking about the civil parties. So, may I please be given a few minutes to make my observations regarding this point? The President, you may proceed. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je vais essayer d'être le plus I'm going to try to be as concise possible. As possible. Je voudrais d'abord indiquer First of all, que mes observations like aujourd'hui to let you know that sont my observations uniquement relatives aux constitutions de parti civil. J'exclus en ce qui me concerne so les déclarations d'autres personnes, I am excluding les déclarations que DICICAM a pu récupérer, statements from other les déclarations parties, de témoins. Je ne parle que des constitutions from, de parti civil. Je voudrais indiquer en premier que nous avons versé like to let you know ces that, constitutions au have, débat au mois d'avril, put, au mois de juillet, These applications before the court in July, October, and April, and there was never any objection that was raised regarding these applications. Je dirais ensuite and then I would like to let you know that among the 3,860 civil party applications, de parti civil, nous en avons sélectionné we have selected 14 of them sur le contexte historique. Relating to the historical context of Democratic Cambodia, which means that we did carry out a selection based on relevance, and this means as well that we do not have the intention to encumber the debates with multiple civil party statements. And then I also would like to let you know that when the issue was raised for the first time on 30 January, il y a eu d'abord une difficulté relative à la traduction. We faced difficulties in the translation, and the Chamber indicated to us that the documents had to be presented at least in two languages. Then the following day, in its memorandum of 30 January or 31 January, the Chamber indicated si la partie pertinente du document concerné est brève et peut-être aisément traduite à l'audience, la Chambre pourra autoriser que cette partie soit présentée. Je rassure la Chambre, c'est le cas aujourd'hui. Le 30 janvier, une autre difficulté avait été posée, qui était celle qui était la suivante, il ne fallait pas produire des constitutions de personnes qui pouvaient être entendues. That we that we were not entitled to present applications of people who will be heard, and there will be no further civil parties heard than the two first ones. Les documents Therefore, the documents that we're presenting today ne sont pas concernés are not par cette difficulté.
qui avait été relevé le 30 janvier. By this issue that was noted on hier, the 30th of January. Yesterday, my defense, my colleague, il y avait une difficulté par rapport à la pertinence. From the defense indicated that there might be issues regarding the relevance of these documents and regarding the admissibility of these civil parties. I believe the issue of admissibility has already been settled, but as far as relevance, I'm surprised that you can already challenge the relevance of these documents without having seen the documents. Today, upon reading the email that we received from the special senior legal officer, there might be difficulties in terms of the limited or non-existent probationary value of these civil party applications. Quant à la fiabilité, now, regarding la force probante, the probationary value of these statements, how can we decide as of now that 3,860 civil party applications have no or little probationary value? How can we decide on this, whereas most of these civil parties are Khmer, and that many of us here, or most of us here, do not speak Khmer? Les traduire, first, these et ensuite, applications need apprécier. To be translated and then assessed. Les écarter dans and leur ensemble therefore, casting nous them aside seems to us to be unfair and unequitable. Ce sont des parties these are qui, parties accusés, to the proceedings font des who, just as the accused, chacune, make statements, chacune de ces déclarations and each one of these statements is unique. Les constitutions que the nous allons civil présenter party applications that we are going to tender une par une must be treated one by one on the basis of each topic, starting historique. With the historical context. Les écarter, casting them aside au motif de leur force because peu probante ou nulle, their probative ou au motif value de leur may seem c'est donné bien plus inexistent. Means au that des juges d'instruction very little importance is given to the work of the investigating judges and to the work of the pretrial chamber, who, pursuant to Rule 23 bis of our internal rules, considered que that qu'ils étaient these, convaincus that they were convinced that the alleged facts supporting the civil party applications sur la base de l'hypothèse la plus probable. Are ils ont donc most probable. So they considered, therefore, that what the civil parties were stating une force probante suffisamment has sérieuse a sufficiently de leur important probative value to be considered. Écarter globalement globally casting les constitutions aside parties civiles the civil party applications serait would be tantamount in our eyes arbitraire to something parce arbitrary que, je l'ai déjà because dit, mais as je I redis, already said it but I will say it again each unique. Statement is unique. Les écarter, casting them aside c'est aussi se priver also means depriving ourselves d'un élément de preuve of extraordinaire an extraordinary element of evidence in this case which is extremely important si l'on peut considérer because qu'une seule constitution, if une seule one single n'a pas civil party application une force is not considered to have sufficient probative value, therefore it is clear that if we repeat la répétition de faits, that the repetition of facts that are mentioned and the similarity between what the civil parties are autre, stating exemple, in one place or another place regarding, exemple, for example, forced evacuation, regarding, for example, forced labor, regarding a historical context, well, when we cross this information and when we see the similarity of this information, this in itself is a very important element, an element that has very high probative value. So these applications should not be cast aside. We should at least hear some of these civil parties. Casting them aside because we feel that their statements have little probative value is denying their role as civil parties in these proceedings. They're not here just only to be sitting down. In the courtroom, they are entitled to speak exactly in the same way as the accused. Elles ont droit de they are entitled to challenge points. They are allowed faits, to raise questions, to question, demander, and to request, appel, and to appeal, lieu, and above all, especially to speak. On ne leur fait pas de cadeau, we are not en leur permettant d'être ici. Giving them a free ride elles by allowing them to be here. Devoirs, they have rights and obligations, et ces droits doivent and être these rights must be respected.
J'observe que la Chambre peut très bien entendre les parties civiles qu'elle souhaite entendre. The Chamber may decide which civil parties it wants to hear. I agree. And I hope that the Chamber will hear the greatest amount. We also know that it's impossible for the Chamber to hear all civil parties. That is clear. And there is another possible solution, is the solution that we're proposing today, which is to read statements that are particularly relevant given relevant in the civil party applications. Ne pas les entendre, not hearing these statements or considering that they do not have or have little importance, c'est tout simply means les rendre silencieuses, rendering them mute, c'est tout simplement simply means considering that they are in reality a non-party to the proceedings, that means denying their capacity as party to the proceedings, and simply means conducting a trial without civil parties. We give the floor to the defendants, or the chamber gives the floor to the defendants, and the chamber must give the floor to the civil parties as well, and that's what we are requesting. Therefore, we are requesting once again the chamber to, first of all, allow the reading of the excerpts that have been carefully chosen and that are relevant, and that because they will be read out today will allow each party to gauge the value of the information in these statements. So we're asking the chamber to give us the possibility to choose for each topic a few civil parties from which we will read excerpts of their statements. The chamber, of course, will have the possibility to assess the probative value of these documents, but in any case, the chamber cannot cast aside this possibility unless they deprive the civil parties of their role in this trial. Thank you very much. I would like now to give the floor to my colleague. The President, Council Bic-Ang, you may now proceed. Mr. President, Your Honours, I would like just to be very brief on this. Monsieur le Président, the summary Madame et Monsieur of les juges, je serai bref, les synthèses. Statements by the civil parties will be very brief. And each civil party testimony will be summarized into only one sentence. And there will be only 10 of them only whose statements will be summarized. And these texts are merely relevant to the historical background context of the Democratic Cambodia. La pertinence de ces déclarations I would not commit more time of the court to do this other than emphasizing that we only summarize the 10 civil parties testimonies for the court. The co-prosecutors have submitted a great deal of numbers of documents already before this chamber, and civil parties are supposed to support the co-prosecutors. And for that reason, we only wish to make known to the court part of the statements by the civil party. Et à permettre à la cour d'examiner les déclarations des parties civiles sous une forme abrégée.
The President to clarify things with regard to the lead co-lawyers for the civil party, a position we would like to hand civil, over to Judge Lavergne. Nous aimerions que ceci remette au juge Lavergne. Judge Lavergne, you may now proceed. Remettre la parole, donne la parole au juge Lavergne. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. La Chambre vient d'entendre les explications fournies par les co-avocats principaux des partis civils. Provided by the civil la party Chambre co-lawyers. A tout d'abord une observation générale and à the faire. Chamber would first like to make an observation of general nature, because the Chamber, of course, does not wish to impose silence upon the civil parties. That's where the problem lies. Général, the problem is something of a more general nature, and it is the usage of statements of a few people, whoever they may be, whether they are witnesses, whether they are civil parties, in the context of a trial when these statements are used as evidence. La Chambre va prendre prochainement une décision à ce sujet. To rule on this soon. And the chamber wishes to draw the attention of the parties on the fact that it will be necessary to rule in compliance with international jurisprudence and in compliance with the rights of the accused and with their right to question inculpatory witnesses. This is what we wanted to stress today. This, therefore, again, is not a problem specific to the civil parties. It's a much more general problem. And, of course, we are not challenging the admissibility of the civil parties because the decision has already been made. And it's not because they're admissible that their statements, however, gain probative value that is higher than the statements of other witnesses. The President, we would like now to hand over to the legal lawyers. Nous donnons à présent la parole aux avocats principaux pour les parties civiles. Post documents before the court. Afin que ceux-ci puissent commencer à présenter les documents. Counsel Pekan, Mr. President, may we hand over first to Olivier Bahound, followed by Counsel Samsukong. Donner la parole à Monsieur Olivier Bahound, qui sera suivi par les autres conseils. Le président. Counsels for the civil party are now permitted civiles, to do that. Ont effectivement la possibilité de s'exprimer par la voix de Maître Baung. Counsel Baung. Bonjour, Monsieur le Président, Madame. Good morning, Mr. President, your honors, dear colleagues, ladies and gentlemen. Aujourd'hui, la présentation des documents today, que je vais the presentation effectuer that I'm going to give to you concerne regards exclusivement Monsieur Que Sampan. Only Mr. Que Sampan. Je précise que tous ces and documents like ont été communiqués documents depuis were given longue date, since conformément long à la procédure que vous and nous avez imposée. In conformity with your rules to all of our colleagues, que par ailleurs, il s'agit and our colleagues have been afforded the time to become aware of these documents, and these are fundamental documents as well. Et que par conséquent, ils ont certainement regarding connaissance de ces documents depuis très longtemps, and même avant que la procédure ne commence. I believe that our colleagues have been aware of these documents for a very long time, even before the start of the trial. Je tiens à préciser like que avant de me présenter devant, that devant before vous et devant M. Que Sampan, that 2011, as of November 2011, nous avons organisé we l'équipe MAT, organized our MAT une réunion team, de partie civile we organized a civil party meeting in Kompong Cham.
Depuis plus de 3 ans et demi, nous rencontrons ces parties civiles. Convened and we've been interacting with these civil parties for more than 3.5 years. Audience. Indeed, to meet the expectations of this trial, and we are informed of everything that's happening here, and we show them certaines informations. DVDs, and we communicate to them information. Elles sont particulièrement attentives. And these civil parties are particularly attentive régulièrement ces and réunions, follow, attend these meetings on a regular basis, but simply sur les 200, 20 among, d'entre elles étaient absentes. In the November meeting, 20 out of the 200 les autres were absent. Malades, two had died, et ne pouvaient and pas the participer. Others were ill, so they could not attend the meeting we organized in November. Elles sont très attentives they're et very demandent attentive beaucoup. And they're asking for a lot. Lorsque nous leur avons and diffusé when we des informations, gave information to them, la première question the first nous a été question posée, that they asked us concernant Monsieur Kyo-Sampan, regarding Kyo-Sampan a été la suivante. Was the following. Il est cambodgien. He is Cambodian, they comment asked. Comment a-t-il pu so nous faire ça? How was he able to do this to us? President, Council for Kyo-Sampan, you may proceed. President. Council Kong Sam-on. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. May I ask that Council for the Civil Party be directed to the subject matter of today's hearing? Is counsel now on his feet to present evidence or making accusations as part of the opening statement against my client? Contre mon client dans sa déclaration d'ouverture. We nous note that the purpose of today's hearing note du fait is que l'objet to de l'audience put the chambers the relevant à présenter documents. À la chambre les documents however, pertinents. What cependant, the council was ce que stating just now le conseil was not vient part of the document. Déclarer it was ne fait pas partie part de la what documentation, the council believed to have been taken from a meeting somewhere. Partie de ce dont le conseil nous fait rapport pendant une réunion qui a lieu quelque part. Le council's président. Observation les observations is du plausible. Conseil pour la défense council for the civil party plausible. Je demande, is now je prie le conseil instructed pour la partie civile, to restrict de their bien vouloir, se presentation borner to only the relevant documents before this chamber and that que des documents pertinents should do so in accordance with cette chambre the et de le faire en accord avec topics already les indicated. Thèmes as counsel is advised to refrain from making any pleadings or opening statement ne pas se lancer against dans une quelconque dans un quelconque élément de plaidoirie ou de faire une déclaration introductive indeed, qui comporte des accusations date will be given contre les accusés. Les conseils auront tout le temps de le faire lorsque le moment se présentera. C'est entendu, Monsieur le Président. Et mon confrère est allé bien vite. C'est vrai que mon introduction thank peut être much, un petit peu longue. President. Elle I ne comporte understand. Aucune accusation. My c'était juste pour que M. Kyo-Sampan puisse me situer par rapport au reste de la Cour qui comprenne bien que c'est la voix des parties civiles. Seulement ça. Je commence donc par le premier document, qui est en fait une clôture de mon introduction. Document E3/122. ERN français 006-13-206. ERN cambodgien 00-34-47-039. Tiré 00-34-70-40. ERN anglais 00-000-930. Je dis bien, c'est la fin de mon introduction. En,
Il a été posé une question à M. Kyesampan, que signifie pour vous la justice? M. Kyesampan répond, je ne crois pas que la justice existe dans ce monde, tout le monde ne cherche qu'à gagner, si la justice existait, je ne serais pas amené au tribunal. En effet, je n'ai cessé de travailler pour le bénéfice de mon pays sans jamais tenir compte de la fatigue. Je n'ai jamais été compromis dans la corruption et puis je n'ai rien reçu, même pas un centime de mon travail ou de Pol Pot. Lorsque je constatais quelque chose d'erroné, je la dénonçais tout de suite. Mon pays et mon peuple m'en rendront justice. Pièce E1/21.1. ERN français. French ERN. 00-76-1947. ERN Khmer 00-76-02-92. ERN anglais 00-76-1842. Il s'agit de la transcription de l'audience du 13 décembre 2011. Is a transcript from a hearing. Avant de rentrer au pays, Yeng Sari m'a confié la responsabilité du cercle. Et j'imagine qu'à l'époque, il n'avait pas d'autre choix. Les plus convaincus et les plus actifs, tels que Oksakum et Son Sen, étaient tous rentrés au pays déjà. D'autres membres anciens, comme Sokan, terminaient sa médecine à Reims. Il n'y a donc personne qui pourrait reprendre le cercle, uniquement moi, et j'ai accepté de le faire. Je précise que nous situons avant 1959. Ceci pour démontrer déjà l'implication politique de M. Kyesampan. Document E1/21.1/21. ERN français 00-76-1952. ERN Khmer 00-76-02-95. Anglais 00-76-1846. -00-76-1847. Il s'agit toujours du compte-rendu de l'audience du 13 décembre. M. Kyesampan parle alors du journal L'Observateur. Nous nous situons donc dans le contexte historique de son retour de France. Nous sommes en 1960-1961. La rubrique du magazine, qui était la plus appréciée des lecteurs, était appelée « Les coins de Phnom Penh ». On y trouvait des récits vivants qui dépeignaient la vie quotidienne des gens ordinaires, comme les cyclopousseurs, les transporteurs d'eau, les cochers qui transportaient des légumes au marché avant l'aube. The President, Council, le Président, could you please, speak rather slowly maître, for the pourriez-vous ralentir la cadence aux fins de l'interprétation et de la transcription? Because, you speak, too fast. Vous allez trop vite, Maître. Merci, Monsieur le Président. Je Thank reprends you, donc President. Le texte. Nous nous situons donc après 1960, nous parlons de l'Observateur, le journal fondé par M. Kyesampan. Il indique, la rubrique du magazine qui était la plus appréciée des lecteurs était appelée
les coins de Phnom Penh. On y trouvait des récits vivants qui dépeignaient la vie quotidienne des gens, des ordinaires, comme les cycles pousseurs, les transporteurs d'eau, les cochers qui transportaient des légumes au marché avant l'aube, les loisirs des travailleurs qui s'assemblaient par petits groupes pour boire du vin de palme autour des vendeurs, autour des jardins publics, à l'est du monument de l'indépendance, une zone qui était illuminée par des bougies. Ce paragraphe est cité. Le président, la parole est à la défense. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Can the counsel for civil party be directed to indicate the document identity? Because according to the list of documents submitted by the legal lawyers, qui m'a été remise, it does not appear that this article was in the list. Or you are referring to n'apparaît any pas. Other article that s'agit-il not actually in the d'un list autre you, document place, qui ne figurerait pas dans la liste the chamber. Thank you. Merci. Tous les documents figurent dans la liste. All the documents il s'agit on the de l'audience du 13 décembre 2011, à laquelle vous avez sûrement assisté. Can you tell us the order of the number in the document selection? Nous donner le numéro qui correspond à ce document dans la liste? Je le trouve pas. I can't find it. Monsieur le Président, je présente mes excuses au nom des parties civiles parce que je crois qu'il y a un petit souci technique au niveau de la liste. Effectivement, ces deux documents ne figurent pas sur la liste que nous avons communiquée. Donc là, ce que je peux vérifier. Je crois que nous allons faire un ajustement peut-être et à la pause présenter exactement la référence de ces documents. Je propose que peut-être nous passions un document suivant. I suggest that what we do now is just go straight on to the next one. Thank you, President. Donc je vous prie de me pardonner, confrère. Ma liste n'est pas à jour. Je le regrette, pensez-le. Toutefois, je vous ai indiqué les ERN. Il était tout à fait disponible immédiatement. En tout état de cause, rien n'est inventé. L'objet de ce document, malgré tout, était de démontrer l'intérêt de M. Khieu Sampan pour le petit peuple et ses souffrances, ses conditions de vie. Je cite maintenant le document IS 4.23, ERN cambodgien 0059-53-95, cambodgien 0010-38-20, anglais 0010-37-33. Il s'agit de l'ouvrage rédigé par M. Khieu Sampan, intitulé en français « L'histoire récente du Cambodge et mes prises de position ». M. Khieu Sampan indique dans ce document comment et du moins pourquoi il a été amené à quitter Phnom Penh. Nous avançons dans le temps. He left
Phnom Penh. So we're moving forward. Après l'opération de nettoyage autour de Samlot, continua plusieurs mois. Dans de telles circonstances, l'accusation lancée à l'encontre de Uyun et de moi-même d'être à l'origine de la révolte et la menace de nous faire comparaître devant un tribunal militaire ne pouvait être prise à la légère. Nous ne nous sentions plus en sécurité à Phnom Penh. C'est ainsi que nous acceptâmes la proposition du Parti communiste du Kampuchea, PCK, de partir pour nous mettre à l'abri à la campagne. La proposition nous a été faite dans une lettre qui comportait une analyse assez détaillée de la situation, de façon à ne nous laisser aucun doute sur les expéditeurs, d'autant plus que le messager qui nous l'avait apporté était bien connu de nous deux. C'était un homme respecté, à la fois par son âge et sa prévenance. Il participait activement aux rencontres organisées par l'amicale des anciens élèves du lycée Sisovate, dont nous faisions également partie. A group to which we also belong. J'ai été amené à quitter Phnom Penh en 1967. I left Phnom Penh in early 1967. Ce document tente à démontrer la continuité dans la participation et la présence au sein du Parti communiste de monsieur of Mr. Kyesongpong's participation in the Communist Party. Document E3/27. E3/27. Il s'agit de l'interrogatoire de monsieur Kyesongpong. ERN français. This is a written record of an interview. 00 15. In the French, 66, 67, ainsi que 66-68. Il y aura deux pages. ERN anglais, 00-15-67-45. ERN Khmer, 00-15-66-15. À la question du juge Wunleng, est-ce que entre 1970 et 1975, vous êtes resté en permanence avec les dirigeants Khmer Rouges? La réponse fut oui, yes. Car j'avais pour fonction de m'occuper des relations avec Samdek Norodom Sihanouk. Lorsqu'a été créé le Front uni du Kampuchea, après le coup d'État de 1970, le prince Sihanouk ne connaissait ni Tamok ni Pol Pot, et j'étais le seul à pouvoir faire le lien. C'est à ce moment-là que j'ai été présenté officiellement comme le dirigeant de la résistance. J'insiste, mon titre en public était vice-président du FUNK et commandant en chef de l'armée populaire de libération du Kampuchea. J'ai été donc qualifié à partir de ce moment-là de dirigeant des Khmer Rouges, mais cela ne correspondait à aucune réalité. Le véritable dirigeant était Pol Pot, étant précisé qu'il était plus un dirigeant politique et idéologique que militaire. Ensuite, à la question du juge Marcel Le Monde, qui était le chef militaire? La réponse, en réalité, chaque chef de zone avait sa propre armée. Ce n'était pas comme au Vietnam. Et il conclut en disant, j'ai pu voir les différents chefs de zone venir régulièrement au QG de Pol Pot. Ce document a pour objet de confirmer ce qui est déjà démontré depuis le départ, c'est qu'il n'y a aucune rupture depuis avant 1957
dans la présence de M. Kyusampan au sein du Parti communiste et de ses relations avec lui. Ensuite, document IS 4.23. ERN français 00595415. Anglais 00103744. Khmer 00103831. Il s'agit toujours d'un extrait de l'histoire récente du Cambodge. Toujours des déclarations de M. Kyusampan. Personne d'autre. Mr. Kyusampan's book, his own words, therefore. Dans ce temps, les deux forces déterminantes étaient le PCK, qui apparut comme la seule valable pour mener la lutte sur le terrain. Deuxièmement, le prince Norodom Sihanouk, qui, avec toute son autorité politique sur l'ensemble du pays, était décisif pour gagner le soutien international à la lutte. Aucune des deux ne pouvait se passer de l'autre. Mais comment parvenir à les réunir? Le prince aurait-il accepté de coopérer avec les dirigeants du PCK? Certainement non. C'est ici que mon origine sociale et mes anciennes relations, relativement bonnes avec les hautes personnalités du pays, me désignèrent pour servir de trait d'union indispensable. Mais pour assumer ce rôle, je devais me présenter comme étant un des importants dirigeants de la résistance à l'intérieur du pays. Pour l'avouer franchement, ce jeu m'embarrassait énormément. Mais c'était un sacrifice. Je ne pouvais refuser si je voulais apporter ma contribution en conformité avec mes possibilités et ma situation à la lutte pour le salut de notre pays. Ce même document ne fait que confirmer ce qui a été précédemment dit, et notamment que M. Kyusampan était le seul et unique à pouvoir tenir cette fonction, et reconnu tant par le roi, mais également par les Khmer Rouges. Ensuite, je citerai la pièce E3/111. Il s'agit d'une interview de M. Yeng Sari dans le courrier du Vietnam du 31 janvier 72. ERN français 00-73-86-27. Khmer 00-71-14-34-00-71-14-35. Anglais 00-76-24-19. In English, 00-76-24-19. Voici la question posée. Le monde connaît bien la personnalité de Samdek Norodom Sihanouk, mais il est moins familiarisé avec les dirigeants de la section interne du groupe. Auriez-vous l'obligeance de nous en dire plus sur Kyusampan, en particulier le vice-premier ministre et ministre de la Défense? Voici donc la réponse donnée par M. Yeng Sari. Tous les leaders du FUNK et de la section interne du groupe sont des militants, des révolutionnaires de longue date. Grâce à leur haute vigilance, ils ont pu échapper à la répression sauvage des impérialistes américains et de la clique de Long Nol. M. Kyusampan, docteur en économie de l'Université de Paris, est très engagé dans les activités patriotiques. Depuis 1946, il a été activement associé au mouvement collégien et des étudiants du Cambodge pour l'indépendance nationale contre le colonialisme français. À son arrivée en France, en 1953, il s'est allié avec détermination à la lutte du peuple français
contre la guerre colonialiste en Indochine. Après les accords de Genève en 1954, il a dirigé en France le mouvement de lutte des étudiants et des résidents cambodgiens contre les impérialistes américains. De retour au pays en 1958, il a poursuivi ses activités patriotiques sous différentes formes. En tant qu'éditeur de son journal L'Observateur, à la tribune du Congrès national et à l'Assemblée nationale, en raison de son militantisme et du soutien dont il bénéficiait parmi les masses, il a été poursuivi par la police et exposé aux provocations, à l'intimidation, à la persécution. Aux fins d'éviter d'autres conspirations similaires de la part de la clique de Lon Nol, M. Khieu Samphan et de nombreux autres patriotes, dont M. Uyun et Unim, ont été obligés de prendre le maquis en 1967 pour poursuivre le combat aux côtés du peuple. Depuis lors, M. Khieu Samphan a vécu une période révolutionnaire des plus mouvementées. Grâce à son large champ d'apprentissage et principalement à ses états de service au Cambodge et à l'étranger, tant auprès des masses rurales que des citadins, travailleurs, ouvriers, élèves, étudiants, intellectuels, bonzes, fonctionnaires, soldats, bourgeois nationaux, à l'Assemblée nationale et au gouvernement, dans son travail légal et clandestin, ainsi que dans ses activités militaires et politiques pendant plus de décennies contre le colonialisme français et l'impérialisme américain entretenu par ses laquais, M. Khieu Samphan est devenu un éminent patriote d'une grande expérience révolutionnaire. Et il est tout à fait qualifié pour diriger notre guerre révolutionnaire de libération jusqu'à la victoire totale. Ce document clôt le chapitre tendant à démontrer que M. Khieu Samphan fait partie depuis avant 1953, ce n'est pas moi qui le dis, de ce cercle et œuvre de façon clandestine à mener la guerre révolutionnaire. Maintenant, je vais m'attacher à vous présenter le document E/123 et de son implication. Il s'agit de la thèse en économie de M. Khieu Samphan. ERN français 002-23-64-70. Anglais 00-75-05-27. Khmer 00-76-72-93. Le président. Council, please, Maître, repeat the EON. Vous êtes prié de répéter les ERN. It is not clear for the record if you speak that fast. Car vous avez été un peu vite. Oui, Monsieur le Président. Je reprends. ERN français 00-23-64-70. Anglais 00-75-05-27. Khmer 00-76-72-93. Il s'agit donc là de la première page de la thèse en économie rédigée par M. Khieu Samphan et soutenue le 13 mai 1959 à 14h. La date est importante. Ceci est rédigé avant le premier comité.
directs himself 1959, 13th of May 1959. Mon objectif est de vous démontrer que depuis le début, M. Khieu Sampan déploie une volonté obsessionnelle à parvenir à la mise en application de sa thèse. Je présente donc l'histoire récente du Cambodge, IS 4.23. The President, Council, you may proceed. Le Président, la parole est à la Défense. Council, la Défense. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Just now, the representative of the civil party, des partis civils, made yet another submission. Vient de formuler de nouvelles observations. Such a submission is not the objective of today's hearing. N'ont pas lieu d'être compte tenu de l'objet de la présente audience. Je tenais à attirer l'attention de la Chambre là-dessus. Le Président. Thank you for the observation. Merci pour cette observation, pour cette objection. The Chamber wishes to remind the council for civil party that rappelle à l'avocat des partis civils qu'il convient de s'abstenir de plaider ou de faire des observations. L'objet de l'audience d'aujourd'hui consiste à présenter des documents possédant une pertinence particulière. Une fois de plus, la Chambre vous rappelle que vous êtes tenu de vous abstenir de plaider ou de formuler des observations. When you refer to the possible uses of such documents or so that may be amounted to the submission. Understood clearly, Mr. President. J'ai bien compris, Monsieur le Président. Indeed. J'étais simplement en train de souligner, et non pas de plaider, la pertinence de la présentation de ce document, car je ne suis pas là uniquement pour lire. D'ailleurs, je ne suis pas un très bon lecteur. En fait, je suis quelqu'un d'autre. Je suis là uniquement pour souligner la raison pour laquelle je vous présente, et pas plus. Je ne plaide pas. Je comprends. J'avais difficulté, l'inquiétude de mon confrère. Donc, je lis 4.23. ERN, français, 00-59-53-82. Anglais, 00-10-37-26. Khmer, 00-10-38-12. Dans son ouvrage L'histoire récente du Cambodge, book, The Recent History of Cambodia, M. Khieu Sampan indique, au milieu de l'année 1962, je fus élu député to Parliament as a member of the Sangkum Neastranium, dans la province de Kandal, et nommé secrétaire d'État au commerce and appointed secretary du prince State of Trade in the government of Prince Norodom au sein du gouvernement. J'ai essayé d'apporter ma contribution à la solution d'un des problèmes économiques les plus urgents de notre pays. Le déficit de la balance extérieure et le trafic des devises étrangères. Je souligne, évidemment, comme je l'avais exposé dans ma thèse doctorale, le déficit de la balance des paiements était plutôt le reflet de l'ensemble de la structure économique du pays. Ce document est là pour montrer que dès son arrivée, M. Khieu Sampan a pour objectif Monsieur de mettre en application objective was to ses implement idées rédigées his ideas en 58-59. That he had document developed le même, IS 4.23, in the same document, 4.23, ERN 00, IRN 00-59-53-98. Khmer 00-10-38-22. Anglais, English, 00-10-37-35.
Monsieur Kyusampan indique, est-ce une conspiration? Is this a conspiracy? Le fait d'imprimer le souhait de voir le Cambodge parvenir à un certain progrès économique et social et retrouver ainsi sa dignité nationale. Alors que je préparais ma thèse, when I prepared my dissertation, de fin d'études, je nourrissais l'espoir de voir l'initiative des réformes indispensables pour de tels progrès venir d'en haut. Et lorsque j'appris que la charge de procéder aux réformes proposée dans le plan que j'avais soumis au prince chef de l'État était confiée à Son Altesse Son San, la porte me sembla ouverte pour que notre pays puisse avancer dans le sens suggéré en conclusion de ma thèse. Vous suivez certainement le fil de ma pensée qui de démontrer cette obsession à l'application de la thèse. To demonstrate même document, Kyusampan's obsession of implementing the ideas he laid in his thesis. Same document, IS 4.23, ERN Khmer Par l'intermédiaire de Son San, alors président de la Banque nationale, je soumis donc au prince-chef de l'État un plan de réforme économique tendant à la nationalisation du commerce extérieur des principaux produits, caoutchouc, riz, maïs, et des banques cambodgiennes connues pour leur activité au service de la spéculation. Certes, admittedly, ce n'était que des mesures partielles, was just one part mais of the solution, à mon avis nécessaire en vue to de parler au plus précis the problem as soon as en possible, attendant que nous dirigeons d'alors se convaincre de mesures complémentaires measures, dans le sens que j'avais suggéré en conclusion de ma thèse. In my dissertation. Se pose donc alors la question de quelles sont les idées développées dans la thèse. As to what are these ideas that Kyusampan developed in his dissertation. So, let me go to document E3/123. ERN cambodgien. ERN Khmer 00 76 76 73 92. Anglais. English 00 75 06 07. Français, French 00 23 65 85 82. Je lis. And I will read. Nécessité the necessity d'un vaste programme de réforme structurelle. Structural reform program. À notre avis, in our opinion, l'essentiel des mesures à prendre the main measures to be taken resemble more à un programme politique, a political program, et social, and a social program se proposant de détruire les relations économiques anciennes pré-capitalistes. Nous ne proposons pas de faire disparaître to eliminate les classes, the classes qui détiennent le revenu dominant. The highest incomes. Nous estimons qu'on peut et qu'on doit chercher plutôt à dégager leurs possibilités contributives en cherchant à transformer ces propriétaires rather, fonciers, we believe ways ces commerçants can and must be found intermédiaires, to bring out their ces usuriers potential en by une attempting classe to transform these landlords, retailers, and usurers ou industriels. Into a class of industrial on or agrarian capitalist entrepreneurs. An effort thus will be made to deter them from unproductive activities and to encourage them to participate in production.
Mais pour opérer une si profonde transformation, but to operate such deep transformation, on ne peut pas se contenter de mesures isolées. Satisfy ourselves with isolated measures. Du début at tout the au beginning, moins. At least, un ensemble de mesures very très strict sévères measures nous paraissent absolument nécessaires. Et dans cet ensemble and de mesures these, figurent those en premier lieu concerning foreign relations celles qui tiennent come at the top qui concernent les relations list avec l'extérieur. Nous lisons là so here, again, une réforme qui nécessite des mesures sévères. We see that Kyusampan is speaking about a reform requiring severe transformation. Même document, in the same document, EREN-Khmer-0076-73-59-5-9-00-76-73-60-5-05-87. Il s'agit de la distinction des personnes considérées comme productives et improductives. And non-productive. Ainsi, thus, sont considérées à Phnom Penh comme improductives les coiffeurs et les cyclopousses. In, Phnom Penh, hairdressers and cyclo drivers. Je lis. En ce qui concerne Kampong Cham, and regarding Kampong Cham, les activités improductives unproductive sont tailleurs, tireurs de bicyclettes à remorque, cart pullers, tailors. Enfin, and finally, M. Kyusampan écrit, Monsieur Kyusampan une organisation rationnelle a rational de la société doit donc tendre vers la compression des activités improductives unproductive pour occuper le maximum d'individus dans les activités productives. In productive activities. J'ai cherché les religieux en productif ou improductif, je ne les ai pas trouvés. I couldn't find monks among productive or non-productive categories. Même document. In the same document, EREN 00 76 74 45 tiré 00 76 74 46 anglais 00 75 06 38 français 00 23 66 48. Il s'agit de la section 2 intitulée réforme de structure à la ville. Structural reform in the city. La restriction importante des biens de consommation. Of imports of consumer goods. C'est l'action de l'État pour stimuler la state production. To stimulate production. I'm sorry, that's restriction the des importations the limiting des biens de consommation. Of imports of consumer goods et l'augmentation and relative, the relative rise du niveau de vie in the standard de la masse of living of the mass of the population. Petit deuxièmement, on lit and in il faut favoriser two, et encourager to favor and to encourage the large number of individual artisans to form production cooperatives. And in subparagraph 3, to establish new state enterprises. And Mr. Kyusampan specifies that only state enterprises in different sectors of production can provide the leverage needed for the leading, directing, and protecting role falling upon the state. Et de protection qui lui est dévolue. Même document. And in the same document, EREN cambodgien, Khmer 00 76 74 29 tiré 00 76 74 30 anglais English 00 75 06 30 30 français French 00 23 23 66 66 30 30. Je lis. And I will read, bien que nous estimons even
though we believe qu'il soit nécessaire de procéder à une réforme agraire to carry out agrarian comportant reform, une redistribution des terres, of lands, nous sommes d'avis we are of que the la mobilisation productive de la rente foncière ne sera possible que par voie d'autorité, surtout au début. Means, especially at the beginning. Vous retrouvez là so here again you can see l'ensemble des fondements de ce qui a été mis en œuvre. The foundations of what was later implemented. E3 slash 123, même document. E3/123, same document. ERN Khmer, Khmer 00 76 76 74 54 53. Anglais, English 00 75 75 06 06 42 42. Français, French 00 23 66 55 55. Il s'agit là des passages concernant this is the l'industrie. Excerpt regarding industry. Industrie pharmaceutique. The pharmaceutical industry. Dès maintenant, as of nous now, sommes en 58-59. Dès maintenant, currently, le Cambodge Cambodia est en mesure de fabriquer lui-même certains produits pharmaceutiques à partir de plantes médicinales on the basis of medicinal plants that exist. Pour ces produits, les installations laboratories demandent des capitaux required énormes for producing these et elles peuvent être immédiatement rentables. Enormous capital outlays and returns can be immediate. Même document, and ERN in the same Khmer, document, Khmer ERN 00 76 76 74 47. Anglais, English 00 75 76 39. Français, French 00 23 66 50. Poursuite dans le développement des idées so concernant here again we l'industrie. See, further extraction ideas de l'acide benzoïque de l'urine industry. Des vaches. So extracting benzoic acid cet from exemple cow peut paraître urine. This surprenant, example might simplement seem surprising pour les enfants to you, qui ont tout ramassé but for the children who dans had les campagnes, pick ça veut dire beaucoup. This urine up in the countryside, this does mean a lot. Même document. Same document. 00 23 66 43. ERN French, I'm sorry. 00 23 66 43. Khmer. Khmer. 00 76 74 41. Anglais. English. 00 75 75 063 063. Je lis. Il s'agit d'élever and le niveau here, de vie de la masse des petits paysans to rise the standard of living of the masses and of the afin poor de trouver un marché suffisant to come pour up la with nouvelle a sufficient industrie. Market for the new industry. Pour ces raisons, and for these reasons, le gouvernement doit s'efforcer de mobiliser les masses paysannes peasant masses pour l'entraide mutuelle, for mutual solidarity, d'organiser des coopératives de ravitaillement supply cooperatives et de consommation consumer et d'appliquer cooperatives une politique planifiée to apply a planified policy du crédit agricole of, et enfin d'habituer credit, peu à peu and finally, les paysans à la coopération. To accustom the peasants more and more to cooperation. Il s'agit de and généraliser this, systématiquement cette pratique. Generalize this practice. L'entraide solidarity peut être d'abord réalisée first be accomplished pour un travail déterminé, for a specific task, puis généralisée, and then generalized. Peut devenir permanent, it might become permanent et servir and might à la constitution be used de coopératives de production, to build up production dans les villages, cooperatives in villages où l'expérience a été concluante. Where there have already been many successes. À partir de ces points de départ, on the basis of these les coopératives starting de production, the production cooperatives, ou la coopérative de production the production pourra s'étendre de façon centrifuge. Might spread in a centrifugal manner. Cet effort pour organiser de plus en plus rationnellement la production, production doit être soutenue moralement, morally, techniquement et financièrement and financially par l'État. By the state.
C'est ainsi qu'avec les moyens techniques, sensiblement de même ordre, que jusqu'à maintenant, on peut obtenir une augmentation importante de la production et libérer progressivement une partie de la main-d'œuvre qui sera utilisée pour faire fonctionner de nouvelles industries. Même document. Same document. ERN Khmer. 00 76 74 44 49. Anglais. English. 00 75 75 06 36. Français. French. 00 23 66 44 23 66 44. Nous avons pu constater qu'il y a une tendance à l'augmentation du nombre de travailleurs par hectare de terre. The number of workers per land hectare. Jusqu'ici, cette tendance est partiellement masquée par l'existence de superficies facilement cultivables. Cependant, avec la poursuite de l'intégration internationale et le renforcement consécutif de la structure semi-féodale à la campagne, cette tendance ne peut que s'accentuer. Il est vrai qu'il existe encore 20 millions d'hectares 20 million de terres cultivables. Cependant, 14 450 000 hectares de plaine estimée cultivable et non encore cultivée demandent still to have to be avant d'être prêtes. They can be planted. Sur les 550,000 hectares de la région, of the area, des berges of riverbank, de l'arrière-berge, and of the upriver land, il existe environ about 200,000 hectares d'étangs ou de bangs, bang, et de terrains marécageux and swamplands sur son pourtour. 200,000 hectares. This area is surrounded by another 200,000 hectares of argillaceous terrain, which drains slowly when floodwaters recede, and is the first to be inundated by the overflowing of the Mekong. Rainy season cultivation, corn, tobacco, peanuts, ils sont d'autant plus aléatoires qu'elles sont faites as crops sur les terres les plus basses, in the lowest areas, inondées plutôt first que les autres. Ces terres demandent thus, donc à être protégées par des digues by dikes et à être comblées par des travaux de colmatage. Harrows. Or, les paysans individual isolés peasants précipités sur les chemins de la ruine par l'intégration internationale du pays of the country, ne sont pas en mesure de coloniser ces terres laissées jusqu'ici incultivées. La restriction de l'intégration internationale, la réduction reducing de la rente foncière seront de nature à réveiller cette énergie dormante. To arouse l'organisation the latent potential of the peasantry, de cette methodological énergie. Organization on of this peasant force, d'abord en équipe into mutual aid teams first, et progressivement en coopérative, sera de nature will à décupler son efficacité et permettre de défricher de nouvelles terres, de les irriguer, its irrigation, d'en délivrer de l'inondation. And its draining. Ainsi, de nouvelles new terres pourront être dégagées sans bouleverser la technique actuelle et par conséquent sans absorber trop de capitaux too much capital, qui pourront être utilisés pour développer l'industrie de base. In a development of industry. C'est sur cette base it is on this que base pourront être augmenté considérablement la production, in the production de riz of rice pour alimenter to meet l'augmentation growth
de la consommation des paysans et enfin l'augmentation de l'exportation. And export expansion. Juste pour replacer et pour justifier la pertinence de la présentation de ce document, justify the relevance of this document without this being pleading, souligner les mesures économiques, the economic measures réformes structurelles, and the structural reforms that are mentioned, Monsieur Kyo-Sampan, which attaché Kyo-Sampan paid so much importance to, dans son livre, as he indicated in his book, and which he wished to see implemented in reality. Je pense que maintenant il pourrait être diffusé deux extraits we could present two excerpts de vidéo, two video clips qui correspondent that et je m'adresse à au service technique à l'extrait 3 et 4 bis. Correspond to excerpt 3 and 4 bis. Il n'y a pas de 4, il y a le 3 et 4 bis. There's no 4, it's 4 bis. So I'm speaking now to the AV technicians. Pardonnez-moi. Est-ce que j'ai été compris? Was I understood? Ah, le numéro. Oh, I'm sorry, the numbers, of course, yes. J'ai pas les numéros, je connais pas. I don't know the numbers, unfortunately. I dreamed of having a countryside. I never expected such high production. Je ne m'attendais pas du I just hoped à for à a prosperous countryside with abundant crops and growing productivity. I never talked about 3 tons per hectare, but I knew that 1 ton per hectare was not enough to feed the population. And therefore insufficient lors, for export. We had to produce more to develop the country. Il doit s'agir d'une erreur car je ne retrouve pas. An error because I cannot find. Car je ne retrouve pas ce qui a été communiqué, ça ne correspond pas à ce qui a été dit dans les extraits 3 et 4 bis. This does not correspond to excerpts 3 and 4 bis. Cela semble poser un problème. Peut-être que pendant la pause, je pourrais faire un point avec les services techniques et les montrer the break, I might speak to the AV people, au retour de la pause, Monsieur le Président. And I will present these clips when we resume after the break, Mr. President, if that's okay with you. The President. Le Président. However, you should also advise the court of the relevant importance of the video clip that you would wish to be posted before this chamber needs to be well informed before any instruction can be made to the AV booth officers to put up any relevant video, portion of the clip on the screen. De projeter un document quelconque sur écran. Bien sûr, Monsieur le Président, of course, je peux le faire Mr. immédiatement. And I can il s'agit so immediately, in fact. Donc d'interviews so de Monsieur Kyo-Sampan, of Mr. Kyo-Sampan, dans lequel menées par Roshan Saidanata, were conducted by Miss Roshan Saidanata. Le film est intitulé L'important, c'est de rester vivant. Is called What Matters is Staying Alive. Roshan and Roshan est resté
de nombreux jours chez M. Kyo-sampa, il l'a interrogé, et dans les deux passages que je vous propose in the two excerpts that I wish to show to you, eh bien, M. Kyo-sampa revient sur les idées de sa thèse, the ideas sur ce qu'il a vu dans la campagne, and what he saw in the countryside. Il conclut en disant and que ce qu'il a vu, c'était exactement sa vision. What he saw donc, corresponds exactly to his vision. So, selon les dires de Monsieur Kyo-sampa, according to Mr. Kyo-sampa's own words, you can see that there is a continuation in his ideas. That is to say, to implement what he proposed in his thesis. And this is what I can show you in these video clips. Okay, look with me. The President, Counsel for Kyo-sampan, you may proceed. Je vous donne la parole, Counsel Kyo-sampan. Thank you, Mr. President. Conseil Kyo-sampan. Merci, Monsieur le Président. The indication of the title of the video clip is not yet sufficient. We therefore suggest that Counsel also refer to the document in the case file whether this video clip has already been admitted to be put before the case file or it is a new piece of document. The President and Counsel, could you also advise the Court and Counsel on this? Monsieur l'avocat, veuillez effectivement fournir cette information à la Cour. Alors, il s'agit du /2.3R. Je précise que ces vidéos ont été communiquées il y a très longtemps. These video clips que c'est un film qui a été diffusé to you a long time en ago. France, au Canada. This is a film that was shown in France de nombreux prix. And in Canada and received many awards. Et pour ôter tout stress chez mon confrère and to reassure my colleague et pour informer préalablement la and cour, to inform the chamber as well, je demanderai la possibilité de diffuser deux autres passages I will ask for leave à la fin to show de la présentation two further segments car il y a une logique after dans la présentation the presentation documents. Of the two first clips et because there's a certain que ces deux logic autres extraits, here and l'un sera toujours issu du même film, the, Roshan, so in the further extracts, one will be from the same film, film from Saidnata, and one will come from the film that was presented yesterday by the co-prosecution, that is to say, Mr. Aronovich. Mais toute ma présentation suit une logique. Interview, but there's a logic in my presentation. The President, well, it is now appropriate time to take adjournment. The court will adjourn for 20 minutes. We will resume at 10 to 11. Counsel for Yingsari, we note you on your feet. You may proceed. Counsel Ang Adam. Thank you, Mr. President, Your Honours. Due to health concern and Yingsari complains of his lumbago and he cannot remain seated in this courtroom and he asks that he be excused and be allowed to follow the proceedings from his holding cell. The chamber therefore les grants our request. The President, thank you, Counsel. The chamber has noted the request made by Yingsari through his counsel, asking that he be excused from this courtroom and that he be allowed to observe the proceedings from his holding cell. Les débats d'audience à partir de la cellule due to temporaire his health reason. Pour des raisons et ce the pour chamber des raisons therefore de santé. Grants la chambre accorde the request. Cette demande. Yingsari is now
allowed to dès lors, observe the proceedings from his holding cell la permission during today's session. Pour la counsel for Yinsari is instructed to produce the waiver signed by Yinsari or given some print by him, and that AV booth officers are now instructed to ensure that his holding cell is linked to the courtroom so that he can observe the proceeding through the audio-visual equipment the court is adjourned.